L'Académie de mandoline et guitare de Marseille a été créée en 2007, 2 ans avant la réouverture de la classe de mandoline au Conservatoire de Marseille. Elle s'inscrit dans la tradition des orchestres à plectre marseillais qui étaient très nombreux entre les deux guerres. Et l'Académie de mandoline et guitare de Marseille a fusionné avec l'orchestre à plectre fondé en 1903 par Laurent Fantozzi. Elle en est donc l'héritière directe. Au départ, c'était des personnes, des amateurs qui jouaient en orchestre et qui ont eu besoin d'approfondir un peu le côté technique, de pouvoir travailler en dehors de l'orchestre. Voilà, donc les cours se sont développés comme ça et puis petit à petit, on a eu de plus en plus de jeunes et de demandes. L'orchestre de l'Académie se produit plusieurs fois par an sous 2 grands types de formations. On a d'abord environ 5 à 7 concerts avec tout l'orchestre qui comprend, selon les années, environ 30 musiciens. Dans cet orchestre composé de 2 pupitres de mandoline, 1 pupitre de mandole, 1 pupitre de guitare et 1 pupitre de basse. Et ensuite, il y a des concerts en plus petite formation qui varient un petit peu. Généralement, il y en a entre 8 et 10 musiciens, donc 2 par pupitre. Et on appelle ça les solistes de l'Académie, qui, eux, se produisent assez souvent selon les demandes, en fait, puisque les concerts de l'orchestre, c'est souvent des productions dans des grandes salles comme le Silo, le Tourski, également dans les églises ou parfois au conservatoire. Et les concerts des solistes, c'est souvent suite à des sollicitations d'un petit festival, d'une municipalité, parfois même des propositions privées. Et après, concernant les programmes, c'est vrai que généralement, on a un programme qu'on rejoue 2 fois ou 3 fois avec le grand orchestre. Et le programme des solistes est beaucoup plus variable. On propose un programme italien, un programme de musique de film, un programme centré sur la musique de Vladimir Kosma. Et après, voilà, ça dépend de ce que demandent les prestataires.